Chers abonnés, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, j'ai présenté 10 indispensables extensions de Chrome à utiliser, bien sûr, sur le PC. Il y a parmi vous qui posent la question comment utiliser ces extensions sur Android et est-ce que c'est possible? La réponse est oui. Pour ce faire, premièrement, il faut utiliser un navigateur alternatif à Chrome, comme par exemple IND Browser ou Kiwi Browser. Pour la démonstration, on va utiliser le navigateur Kiwi Browser. Lien pour l'installer, vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Une fois installé, vous allez le toucher pour l'ouvrir. Voilà comment il se présente. Pour ajouter une extension, il suffit de venir ici dans le champ de recherche et chercher Chrome Web Store Extension. Là, donc, vous prenez le premier résultat et touchez pour y accéder. Voilà. Vous allez trouver ici une liste d'extensions réparties selon, bien sûr, des catégories. Pour ajouter une extension, c'est très simple. On souhaite ajouter l'extension Mail Translate à traduire. On la touche. On attend qu'elle s'installe. Voilà l'extension. Ici, on a la présentation de l'extension. C'est un traducteur. Tout on a pour les pages web, le texte sélectionné et les sous-titres. Pour l'ajouter, vous allez glisser ici vers la gauche. Et voilà, vous avez ici ajouter à Chrome. Donc, vous allez toucher ajouter à Chrome. Vous acceptez des extensions Kiwi. Mais je vais vous montrer comment ajouter les extensions Chrome. Vérification en cours. Téléchargement en cours. Vous ne touchez à rien. Quand vous allez avoir ici supprimé de Chrome, ça veut dire l'extension est ajoutée. Pour ajouter une extension de Chrome, on va agrandir ici. Vous avez ici Chrome Web Store, ça veut dire le store des extensions de Chrome en ligne. Et vous avez ici le champ de recherche. On va chercher par exemple l'extension Full Page Screen. La Full Page Screen. Donc on attend la recherche. Voilà. On aura la Full Page Screen Capture, celle qu'on avait hier dans la vidéo précédente et l'autre qu'on a cherché. Donc pour l'ajouter, c'est même touche. Voilà la présentation maintenant de notre extension. Ajouter à Chrome. Donc on touche, on accepte comme on a fait. On attend qu'elle s'installe. Vous ne touchez à rien. Jusqu'à ce qu'on va avoir ici supprimé de Chrome. Welcome to Full Page Screen. L'extension a été bel et bien ajoutée. Et maintenant on peut l'utiliser sur Android. Où on va trouver ces extensions qu'on ajoute. Vous allez venir dans l'accueil. Vous avez ici trois points. Donc touchez les trois points. Puis ici extension. Donc touchez extension. Voilà donc les extensions qu'on a ajoutées. Full Page Screen qu'on vient d'installer et l'autre Mail qu'on a installé. Voilà, il faut les activer. N'oubliez pas d'activer devant. Dans le cas où vous souhaitez supprimer l'extension, vous n'avez qu'à toucher supprimer. Alors maintenant, pour utiliser une extension, il suffit de cliquer dessus. Ainsi, vous allez pouvoir utiliser les extensions de Chrome sur Android. Et sachez bien qu'il y a une multitude d'extensions. Et une extension, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit programme qui fonctionne à l'intérieur d'un navigateur. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois.